De nouvelles lignes de tram à venir dans la métropole. Le comité syndical du Citral a acté les projets aujourd'hui. Le T9 va relier Vaux-en-Velin à Villeurbanne. Le T10 lui partira de la gare de Vénissieux, direction le quartier de Gerland. Et puis le T6 sera prolongé des hôpitaux Est jusqu'à la Doua. Au total, c'est environ 23 km de lignes supplémentaires dans la métropole. Le prolongement du T6 est attendu pour 2026, 2030 certainement pour le T9 et le T10, avec une volonté affichée de desservir beaucoup mieux l'Est lyonnais. Écoutez Bruno Bernard au micro de Mélanie Ferreira. Cette ligne de rocade Est, elle est prévue depuis plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans qu'elle doit être faite, qu'on en parle et qu'elle n'avance pas. Donc oui, nous la faisons, les habitants en ont besoin. Des populations souvent défavorisées, dont une partie d'ailleurs n'a pas de voiture. Et c'est important de pouvoir circuler en ligne forte de transport dans l'agglomération. Bien, par exemple, de Mas-du-Taureau à Vaux-en-Velin, on mettra une dizaine de minutes pour aller au métro Vaux-en-Velin-la-Soie ou pour aller à la Doua, donc rejoindre une ligne forte de métro très rapidement.